Salut les Mariens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozonia. Et d'abord pour commencer, le gagnant du précédent concours sera dans le commentaire épinglé parce que tout simplement j'enregistre avant le tirage au sort, donc un GG d'avance à toi l'ami. Et ne vous inquiétez pas les amis, bien évidemment qu'il y aura d'autres concours. Et transition toute faite, j'ai ouvert il y a pas longtemps mon Discord, voilà. Sur celui-ci je continue à organiser plusieurs événements, que ce soit des concours ou des vidéos directement avec vous sur Frozonia et bien sûr sur d'autres jeux, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, voilà, je vous attends les amis. Et aujourd'hui, vous allez voir, on a un programme plutôt chargé et vous l'avez sûrement vu le titre, hein. J'ai un gros dos qui m'attend, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors déjà pour commencer cette vidéo, regardez les amis, enfin on s'est pas fait piller notre bébé, incroyable les amis, vous allez me prendre pour un con mais c'est incroyable, voilà d'habitude après une semaine il n'y avait plus de bébé mais là regardez, enfin. Donc en plus de cette bonne nouvelle, et j'ai apparemment un gros don qui m'attend, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, voilà. Donc me voilà, déjà regarde-moi tous les midrings qu'il y a, oh mais c'est du mercure mais trop bien, oh ça va être, en plus ça va être super utile et tout, regardez ils sont juste là, Mister et là, Bilai, ils sont tous les deux dans ma faction d'ailleurs. Donc on va commencer alors de la part hein, de Bilai 54 et de Mister, ok, alors il y a un ordre de coffre, ok, alors là je vois The Best Coffre en gros le dernier, troisième coffre, bon on va commencer par l'ordre, hein. Allez, premier coffre et déjà, je suis sûr que j'aurai pas assez de place dans ma BC. Donc c'est parti, on attaque le deuxième coffre et. Pff, mais c'est incroyable. Alors voilà, pas beaucoup de ça. Mais déjà, c'est juste un énorme. Oh, regarde, ils m'ont donné du viande de vin. Ok, alors ça c'est. Ah oui, la viande de mammouth. Alors non, je crois qu'on n'a pas encore eu de viande de mammouth. C'est pas mal du tout. Ils nous donnent encore du viande par derrière. Alors, donc là, on attaque le troisième coffre. Je suis vraiment pressé de voir ce qu'il y a là-dedans parce que déjà, juste ce qu'il y a marqué dessus, ça a l'air énorme. Alors, allez, hop, let's go. Donc, pff, ouais. Ben, mais il va, je suis sûr qu'il va avoir un truc tellement de ouf dans le dernier coffre. Déjà, juste regarder. Ah, Cookie, il y a tellement de trucs. J'ai vraiment envie de voir parce qu'il y a tellement de trucs qu'on n'a pas encore et ce sera super de découvrir ça ensemble. Bon, allez, on attaque le dernier coffre, les amis. 3, 2, 1 et. Incroyable, mais en plus déjà il est super beau. Mais c'est juste là, c'est le plus gros don que j'ai eu pour l'instant, c'est juste incroyable. Les gars, ça part direct dans le titre de la vidéo, hein, parce que un super deuxième stuff en faux, incroyable. Je pense qu'on va commencer à casser un peu la déco. Ils ont dit qu'il y avait un truc cassé, donc je vais prendre ça. Donc après avoir détruit tous les murs, voilà le premier, le coffre justement caché. Alors je vais pas en mentir. Dès le début, mais donc le coffre caché, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Et une, oh, yes, deux, oh, elle m'a donné encore un truc en plus, et en plus deux fragments d'ail, c'est super, incroyable, merci énormément à Beeline et Mister Joe, parce que c'était juste un don de ouf. Hop, me voilà au spawn et après avoir réussi à ranger tout ce que j'ai reçu dans ce don parce que c'était vraiment énorme, c'était quand même assez compliqué, voilà, on va pas se mentir. Et ben aujourd'hui on se rend une fois plus dans le Warpcraft puisque après avoir crafté la pioche farmer, aujourd'hui on va se craft l'armure du parfait petit farmer. Alors c'est l'armure du farmer, voilà. Alors normalement ça devrait aller parce qu'en plus justement au don. Quand je vous ai dit que les blocs de mercure ça va être très utile, bah, c'est justement pour ça, voilà. Bon, ça on en manque, j'en ai trop d'armure comme ça, donc ça va pas faire de mal de m'en débarrasser d'une. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais directement me rendre à mon under chest. Oh, ouais, le skin de fer, je sais pas, ça m'a fait bizarre de voir ça. Donc, alors, le mercure. Alors, on a besoin de 4 blocs, je me trompe pas, oui, 4 blocs. Alors, on va mettre ça là. Donc, on va se rendre à ma BP pour aller récupérer l'armure. Hop, plou, plou. Alors, je redescends. Alors, je crois que c'est par là-bas. Je crois que j'ai mis des armures ici. Ouais, voilà. On va prendre celle-là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller crafter ça immédiatement. Hop, juste ici, voilà. Alors, on va commencer par le casque, tiens. Alors, je sais pas, attends, déjà, il faudrait peut-être que je récolte le mercure, voilà. Alors, est-ce que si c'est un petit peu consommé, c'est pas grave, on va bien voir. Ok, je crois pas, il faut que j'en récupère un. Attendez, on va tester avec ça, ça sera plus simple, hop. Hop, voilà, ok. Bah, vous savez qu'on va commencer par ça en premier, voilà. Du coup, ah, y a déjà des enchantements dessus, ok, c'est pas mal du tout. Hop, on va récupérer. Je crois qu'il va nous manquer là, non? Il va nous en manquer. Ah non, 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 c'est bon, il va pas nous en manquer, ok. Ensuite, ça, voilà. Et du coup, on va récupérer, hop, le mercure et aller chercher un casque qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été utilisé. Oh, voilà. Alors, juste ici. Alors, est-ce que je. Ouais, j'en ai un. Hop, on va remplacer ça comme ça. Voilà. En plus, ça va nous être très utile, cette armure, pour aujourd'hui, parce que je veux vraiment. Hop, mon équipé de classe. Donc, hop, on met ça au milieu. Voilà, comme ceci. Et hop, voilà enfin notre armure. Alors, on va regarder les enchantements. Attendez, je vais mettre ça comme ça, bien présenter ça. Voilà, donc, sur le casque, on a résistance au feu 1, célérité 1, invisibilité 1, rapidité 1. Ensuite, on a résistance au feu, célérité, invisibilité. Ah, c'est la même chose sur chaque, ok. Ouais, c'est la même chose pour tout, ok. Voilà, donc, allez, on va s'équiper. Hop, hop, hop. Ah, attendez, je peux regarder. Donc, pour les informations, alors, protection identique au diamant avec la généralité du jade. Ok, si vous n'avez pas regardé. Donc, hop, on met ça. Et, oh, je suis invisible. Attendez, ouf. Je vais mettre comme ça, voilà. Voilà, oh, je suis tout invisible. Attendez, hop. Oh, ça m'a... c'est un petit peu bugué, voilà. Ouh, je suis tout invisible. Bon, allez, plus sérieusement, ce que je compte faire aujourd'hui, c'est tout simplement, hop, mon display class. Donc, je vais aller ranger tout ça et on se retrouve au Warp Info. Donc me voilà au Warp Info et on va tout simplement eh ben, aller voir où j'en suis au niveau de l'expérience de classe. Alors c'est F, oui c'est bien tout collé, oui c'est ça. F skill info raging warrior. Hop, alors en équipé, oups, mauvaise touche. En expert classe donc je suis à 16, oh, à 16 000, ok. Donc là je suis au niveau combien? Je suis au niveau 3 je crois. Oui parce que du coup on avait débloqué les PNJ et tout. Donc pour le prochain c'est quand même 21 000 d'XP pour le niveau 4. On accède au slash craft définitivement. Alors je sais pas, ben, on découvrira ça si ben, on arrive à débloquer le niveau 4. Et ensuite on a quand même, regardez, 59 000 d'XP. En plus c'est même pas P 59 000, c'est 50 000 et plus. Ça va être long, ça va être très très long, mais on va quand même le faire. Du coup, les amis, là, je vais tout de suite aller récupérer tout mon stuff d'exploration. Et maintenant, j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin pour aller un peu farmer. On se retrouve juste après. Alors, c'est bon, les amis, et voilà, j'ai réussi à farmer un maximum d'obsidienne et d'autres ressources pour pouvoir passer niveau 4 en farmer. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, 21 916, il en fallait 21, dans les 21 800, un truc comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ben, débloquer le slash craft. Alors, hop, là, est-ce que... Ah non, c'est pas bon, voilà, comme ça. Et du coup, là, c'est bon, il faudra atteindre, comment, les 51 000 d'XP, enfin, 51 000 et plus, hein, bien évidemment, pour pouvoir arriver au niveau 5, et bordel, ça va être long. Parce que déjà là, il m'a fallu combien... Ah, attends, il m'a fallu 4 heures de farm et c'est bon, hein, j'en ai marre. Plus jamais je fais ça. Non, c'est une dinguerie quoi, c'est trop long et ça fatigue quoi. Bon, genre là avec tout l'obsidien, attends, je vais vous montrer. Je crois que j'ai déjà un coffre comme ça. Je crois que j'ai deux coffres remplis d'obsidien comme ça et franchement, c'est bon là, j'ai farmé assez d'obsidien pour toute une vie. Je peux mourir tranquille parce que c'était vraiment fatigant. J'en ai marre. Et du coup là ben en fait, il y a un problème qui se pose l'ami, c'est que ben j'ai plus assez de place dans mes coffres. Tous mes coffres qui sont en bas là, ils sont pleins. Du coup ce que je propose de faire c'est qu'on va tout simplement agrandir par là-bas. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer cette salle là-bas pour continuer ben agrandir le pilier. Donc c'est parti pour améliorer ma BP et on se retrouve juste après. Et me revoilà les amis. Et voici à quoi ressemble ma nouvelle BP. Alors ça c'est le premier étage déjà, comme vous pouvez le voir ça a bien changé. Finalement j'ai continué sur un chunk, voilà, parce que j'ai pas pu faire sur deux chunks malheureusement. Mais après c'est pas plus mal parce que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps finalement de agrandir sur le côté. Donc alors déjà il y a le premier étage comme juste avant avec les enclumes et tout. Et ensuite on va descendre tout en bas où sont les coffres et
Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pété une jury, vraiment pour tout ce qui est stockage de coffres, regarde-moi tout ça. Alors, j'ai tout rangé, ça a pris un peu de temps. On aura aussi des trucs à revendre, je pense que ça on le fera en fin de vidéo, parce qu'on a pas mal de trucs à revendre. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, pendant que j'étais en train de justement de refaire ma BC, enfin ma BP, eh ben, j'ai reçu 2-3 trucs. Alors déjà, on a reçu un truc d'un modo, c'est de la part de Wazax, qui avait comment remporté un giveaway, je crois qu'il avait remporté un concours, un truc comme ça sur le serveur, sur le Discord. Et du coup, j'ai reçu une clé divine de sa part qu'on va aller tout de suite ouvrir. Ensuite, on a reçu un fragment d'ice de la part de Anthony, un autre membre de ma faction. Bah merci énormément. Avec du mercure et du jade qu'on va aller mettre en bas après. Et on a reçu 2 livres, un livre fortune et un livre efficacité simple, protection 3 et châtiment 3 de la part de Beeline, celui qui m'a fait aussi un don ce matin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ça et on se retrouve tout de suite dans le warp en chance. Donc, me voilà au warp chance, et donc, ah bah voilà, le coffre pour les clés divines, donc c'est parti, hop! Qu'est-ce qu'on va obtenir? Une clé légendaire, bon, j'aurais peut-être préféré avoir un truc irradié, mais bon. Mais bon, allez, hop, donc, oui, coffre légendaire, c'est bien là, allez, c'est parti. Obtenir... est-ce qu'on... Ah, on... Oh yes, yes, on obtient une armure complète, mais c'est génial ça, super, super. Allez, hop, je pensais qu'on allait avoir qu'un casque, mais quand même, on a eu quand même une armure, c'est pas mal du tout. Alors, que va-t-être... C'est génial. Ah, yes, 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 ben, je vais aller ranger ça tout de suite. Donc, pour terminer cette vidéo, aujourd'hui, on va aider un peu la faction, parce que c'est vrai que depuis que je l'ai rejoint, ben, je l'ai pas réellement aidé, voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va l'aider tout simplement dans la conception de la base claim. Donc là, j'ai déjà creusé tout ça. Voilà, il me reste... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à entamer le premier étage. Voilà, j'essaierai à voir si j'ai assez de temps, je continuerai en haut. De toute façon, ça va, c'est pas un truc qui prend beaucoup de temps. Donc, ben, c'est parti pour aller creuser tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que j'ai farm pour l'instant. Et je crois que je vais vite mettre des torches parce que je commence à avoir plein de bébêtes là. Ah! Donc voilà, c'est bon, j'ai rajouté des torches, plus de risque de me faire attaquer par des creepers. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude. Et n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Thank you.